Auditrice, auditeur de l'émission Jeudi Actualité, 40 minutes pour convaincre sur Radio Milawe. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous et merci de votre légendaire fidélité à l'écoute de nos programmes sur www.radiomilawe.com. Aujourd'hui, pour décrypter l'actualité socio-économico-politique de notre pays, le Togo, la rédaction de votre radio reçoit pour vous et pour votre plaisir Monsieur Kanyi Jean Ekulu, économiste de formation, option gestion des entreprises. Il est aujourd'hui le président de la jeunesse de l'Alliance nationale pour le changement, en abrégé JNC. Jeudi actualité, 40 minutes pour convaincre, c'est tout de suite et maintenant, depuis la maison de la radio. Jeudi actualité, 40 minutes pour convaincre. Fermez les parenthèses et place au débat. Monsieur Kanyi Jaïkou, bonjour. Bonsoir, monsieur Serge Devon. Bonsoir aux auditrices et auditeurs de Radio Milawe. Je me permets de rappeler à tous et celles qui nous suivent actuellement que vous êtes le président de la jeunesse de l'Alliance nationale pour le changement. Acceptez-vous vous présenter encore plus davantage à nos auditeurs, monsieur Jaïkou? Merci, monsieur Serge. Avant de décliner mon identité, permettez-moi de faire un clin d'œil en saluant tous les auditeurs et auditrices de votre radio. Je me nomme Jean Kanyi Ekulu. Je suis père de 3 enfants. Je suis économiste de formation, option gestion des entreprises, directeur d'une petite société d'import et export et de négoce dans notre capitale à Lomé. Je suis conseiller municipal dans le Golfe 5 et également président de la jeunesse de l'ANC, communément appelée la JNC. Radio Milawe, la radio au cœur du peuple togolais. Merci à vous, monsieur Kanyi Jean Ekulu, pour cette présentation bien détaillée. Dites-nous, comment se porte votre parti, l'Alliance nationale pour le changement, au lendemain du scrutin du 22 février 2020 ? Avec son score de 4% selon les résultats officiels proclamés par les institutions comme la CENI et la Cour constitutionnelle, M. Jean-Claude. Ah, comment se porte l'ANC après le scrutin du 22 février? Une grande question. L'ANC se porte mieux. Comme tout parti sérieux, l'ANC ne s'attendait pas à ces résultats. Ces résultats catastrophiques, contre toute attente. Il y a lieu de reconnaître que nous avions eu un moment de grande désolation où des militants étaient très 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 déboussolés, abasourdis. Ces militants ne s'attendaient pas à ce résultat-là. Mais l'ANC a pris le temps nécessaire de mieux réfléchir et de mieux analyser la situation née d'après ces élections du 22 février. Je vous dirai aujourd'hui que les structures du parti sont totalement en place. Les hommes qui animent ces structures aussi sont également sur pied, sur place. Et sûrement, lentement, mais ça va, on a repris de l'embonpoint. Le scrutin du 22 février commence déjà à être derrière nous et on a compris la nécessité, juste après notre conseil qu'on a tenu le 10 octobre dernier, la nécessité de se remettre au travail, de remettre notre parti en ordre de bataille, et c'est ce que nous acharnons depuis un certain moment, depuis le début du mois d'octobre, à faire. Donc, Monsieur Serge, tout simplement, je vous dirais que l'ANC se porte mieux. Alors, tout simplement, vous venez de le dire, l'ANC se porte mieux malgré la tempête. Merci à vous, Monsieur Ekulu Jean. 10 octobre 2010, 10 octobre 2020, l'ANC célèbre son 10e anniversaire de création suivi d'un conseil national. Monsieur Jean Ekulu, quelles sont les grandes décisions prises lors de ce conseil? Oui, le 10 octobre dernier, l'ANC a célébré 10 ans d'anniversaire, suivi d'un conseil national. Quelles sont les grandes lignes? Je vous reprendrai tout simplement que, oui, c'est tout à fait vrai, l'ANC a célébré ses 10 ans d'existence le 10 octobre passé.
date anniversaire qui a coïncidé avec la rentrée politique du parti, placée sous le signe d'un conseil national qui a eu pour thème poursuivre la lutte politique avec rigueur et vérité. Les grandes décisions sortie de ce conseil, je vous dirais tout simplement que les grandes décisions résident déjà dans le thème retenu pour ce conseil national, poursuivre la lutte politique avec rigueur et vérité. Je vous informe également que l'ANC a décidé de poursuivre résolument la lutte politique pour l'alternance, le changement et le bien-être des populations. Nous avions eu au cours de ce conseil national a adopté 5 résolutions. Entre autres, je peux vous citer la résolution numéro 5. Elle est relative aux populations en lutte sur le continent africain. Il y a eu également 4 recommandations que nous avions adoptées. Entre autres, la recommandation numéro 2, qui est relative à l'unité d'action des forces démocratiques. Il y a eu 6 motions que nous avions également adoptées. En somme, un engagement total pour la remobilisation des populations. Une tournée nationale du parti est annoncée. Elle sera conduite par le président national lui-même et avec une importante de la délégation du parti pour sillonner tout le Togo et expliquer des choses aux populations, tout ce qui s'est passé avant la présidentielle de 2020 qu'on a eue, pendant la présidentielle et juste après la présidentielle. Donc il y a une forte demande d'explication de la part des populations et le conseil a décidé que le parti engage une tournée nationale pour aller expliquer les choses aux populations et à remobiliser la base, à remobiliser les populations. Radio Milaway, la radio au cœur du peuple togolais. Bon courage à vous, militants de l'ANC, aux sympathisants de votre parti, pour la suite que vous voulez bien donner à la lutte populaire et surtout joyeux anniversaire à l'Alliance nationale pour le changement et à tous ses militants sympathisants. Aujourd'hui, votre parti, l'ANC, est vilipendé sur les réseaux sociaux. D'aucuns l'accusent d'être un allié du régime togolais. Est-ce vrai? Sinon, que leur répondez-vous, monsieur Jean Ekolo? Franchement. Je vous répondais tout simplement que ce sont des accusations fallacieuses. Des gens vilipendent à tort l'ANC sur ces réseaux sociaux-là et c'est devenu un outil nocif de la communication politique au Togo, les réseaux sociaux. Donc ailleurs, on a constaté que les réseaux sociaux ont contribué à fédérer les populations, à mobiliser les populations pour que l'alternance advienne dans ces pays-là. Mais chez nous au Togo, c'est la haine et le mensonge qui se débitent au jour le jour contre le président national de l'ANC et le parti lui-même. Donc je vous dirais tout simplement qu'on en a conscience de cet état de fait, mais qu'est-ce que vous voulez, puisque la parole est libre sur les réseaux sociaux, que tout le monde, n'importe quel quidam a accès aux réseaux sociaux, à débiter des choses que vous-même, par pudeur et par respect à autrui, vous ne pouvez pas dire, mais des gens se livrent à cœur joie à débiter des choses, et des choses qui frisent réellement la violence verbale, la haine. Mais bon, c'est la politique. Dès lors que tu acceptes à t'engager en politique, tu deviens ce dépotoir là où tout le monde vient jeter du n'importe quoi là-dessus. On en a bonne conscience. Nous y travaillons, tant soit peu, pour voir comment est-ce que apporter la contradiction à ces gens-là. Bon Dieu, je vous dirais que ça se fait, mais ce n'est pas une tâche aisée. Il y a des jeunes et des femmes au sein du parti qui essaient d'apporter la contradiction à ces gens sur ces réseaux sociaux, mais comme c'est volontairement décidé de la part de ces gens de nuire à l'ANC, nous sommes là et on fera de notre mieux pour faire avancer ce parti. Merci monsieur Jean Ekolo pour ces précisions. Je salue au passage tous les leaders de l'opposition togolaise et tout le peuple togolais en lutte pour l'alternance au sommet de l'État au Togo. Nous allons faire un clin d'œil à nos partenaires commerciaux et nous vous revenons juste après. À tout à l'heure.
besoin d'un professionnel en climatisation et en électricité, ayez le bon réflexe, pensez Bruno Entreprise. Recommandé et reconnu par des industriels et les grandes sociétés de la place depuis 2006, Bruno Entreprise est une société spécialisée dans le froid commercial et industriel. Pour une installation de haute qualité de vos climatiseurs, appareils électroménagers et un dépannage rapide et professionnel sur vos installations électriques, ventilation, entretien curatif, chambre froide, frigo professionnel électrique, peu de soucis à se faire. Contactez Bruno Entreprise. Bruno Entreprise est situé au 22 rue Sainte-Thérèse, 68 200 Mulhouse. Contact 06 35 29 06 98. Avec Bruno Entreprise, la rapidité et l'efficacité, c'est notre devise. Mon Dieu est bon pour moi. Yeah. Envie de passer un séjour inoubliable et paradisiaque à Lomé? Bienvenue à la Villa La Grâce de Dieu. Située au quartier Segbe, à 10 minutes de voiture d'Adido Gomé à Lomé, Villa La Grâce de Dieu vous accueille dans un panorama idyllique pour vos vacances. Villa La Grâce de Dieu rassemble tous les atouts d'un cadre attrayant, féerique et plantureux, avec ses trois chambres, une suite parentale bien équipée, des dressings et armoires vitrées prêtes à vous accueillir pour un séjour en famille ou entre amis. Nos chambres sont climatisées, meublées et équipées d'une baignoire, d'une TV écran plat, sans compter le salon spacieux et salle à manger climatisée. Deux grands garages, un jardin verdoyant, un système de sécurité de dernière génération comme les détecteurs d'images, interphone avec vidéosurveillance. Rejoignez-nous au quartier CB, Villa La Grâce de Dieu, ou appelez-nous au 00228 90 09 27 32 ou bien 00228 90 25 15 93 ou encore 00228 90 29 44 52. Villa La Grâce de Dieu, un coin de paradis qui vous ressemble. Retour au studio et donc dans votre émission dans laquelle est reçu pour vous et pour votre plaisir, Monsieur Jean Eclou de l'ANC. L'ANC, votre parti, Monsieur Jean Eclou, n'a pas apporté son soutien à la dynamique Monseigneur Podro lors du bras de fer qui l'oppose au régime togolais. Qu'est-ce qui explique ce refus, Monsieur Jean Eclou? Franchement, dites-le nous. Monsieur Serge Dumont. Cette question me paraît un peu être un peu déplacée parce que votre parti n'a pas apporté son soutien à la dynamique Podro lors du bras de fer qui opposait la DMK et le pouvoir. Qu'est-ce qui explique ce refus? Vous savez, Monsieur Douvon, la présidentielle de 2020 a fait l'apologie du mensonge dans notre pays. Beaucoup de choses très très fausses ont été dites. Beaucoup de faussetés ont été dites. Avec le temps, les populations feront l'évaluation de ce parcours-là et les responsabilités seront situées. Dit que l'ANC a refusé d'apporter son soutien à la DMK, ça relève de la pure fausseté. C'est une fausseté. Mais dire de quel soutien parle-t-on? De quel soutien parle-t-on? Ok, dit que l'ANC a refusé d'apporter son soutien à la dynamique Monseigneur Podro relève de la plus fausseté. Par contre, Monsieur Jean-Claude, ce n'est pas ce que pensent les autres. Hein. Ok, nous allons dépasser cet aspect pour parler de Monsieur Jean-Pierre Fabre, à qui je fais un gros coucou au passage. Monsieur Jean-Pierre Fabre compte retourner vers la population togolaise pour la remobilisation et la sensibilisation. Je reconnais que c'est le devoir régalien de tout parti politique sérieux. Quel message leur apporte-t-il, M. Jean-Eclou? Oui, M. Fabre compte retourner vers la population sous peu, puisque le Conseil national en a décidé. Vous savez, M. Fabre Jean-Pierre n'est pas né de la dernière pluie en politique.
vous aurez le temps de le suivre, ou bien de, vous aurez le temps de suivre son message quand la tournée va débuter. Et vous allez décrypter vous-même ses discours, le message qu'il apporte aux populations. Vous aurez l'occasion de suivre à suffisance ce message-là, puisque cette tournée qui va sous peu démarrer se fera au vu, au su de tout le monde, tant de l'opinion nationale qu'internationale, tant au niveau de la presse nationale comme au niveau de la presse internationale. Donc, prenez un peu votre mal en patience. Et dans peu de temps, vous aurez à savoir réellement quel est le message que nous apportons aux populations. Nous émettons depuis Mulhouse, France. Alors, merci à vous. Et toujours dans le même contexte, monsieur Jean-Éclou, votre parti, l'ANC, décide de ne plus faire partie d'aucune coalition de l'opposition togolaise. Mais votre parti prône hein, ce qu'on appelle l'unicité d'action. Expliquez-nous cette position de l'ANC, monsieur Jean-Éclou. L'ANC décide de ne plus faire partie des coalitions, mais prône l'unité d'action. C'est simple, monsieur Serdovo. L'ANC est le parti politique au Togo qui a fait l'expérience de participer à bon nombre de coalitions dans notre pays. Le résultat était toujours un poignard dans le dos. L'ANC était toujours poignardé dans le dos. Mais comme on le dit souvent, les leçons corrigent mieux que les conseils. On a tiré les leçons de différentes participations à ces différents regroupements-là, mais que personne ne vienne nous forcer encore à aller dans des regroupements où la sincérité, le caractère sérieux n'est pas au rendez-vous. Donc, c'est simple. La recommandation numéro 2 du Conseil national demande au parti d'engager dans un esprit d'unité d'action politique commune, revendicative, la mobilisation des populations et des forces démocratiques crédibles, notamment de la société civile, en vue de l'assainissement du cadre électoral. Ça, c'est la recommandation numéro 2 issue du Conseil national la dernière fois. Donc, je vous dirais tout simplement oui, unité d'action. Mais plus histoire de cette question de union de l'opposition et union de l'opposition, ça c'est derrière nous. On ne va plus perdre du temps sur ça. Ok. Oui à l'unicité d'action, non à l'union de l'opposition. C'est justement la position du parti Orange dirigé par M. Jean-Pierre Fabre. Et ce parti, dois-je ici encore le souligner, mesdames et messieurs, était hier mercredi devant la presse togolaise. Quel est le contenu de cette conférence de presse, monsieur Jean-Éclou? Oui, notre parti était face à la presse mercredi 14 octobre. Quel était le contenu? Oui, le 10 octobre passé, compte tenu de l'agenda très chargé du Conseil national, le président national, M. Fabre Jean-Pierre, n'avait pas eu le temps nécessaire pour s'entretenir avec la presse. Raison pour laquelle un rendez-vous a été pris sur le 14 octobre, c'est-à-dire hier, où le président national assistait des vice-présidents, dont M. Nelson Patrick, ont expliqué à la presse le bien fondé du Conseil national et la reprise de la lutte politique, qui, pour l'ANC, passe par une remobilisation des populations. Des journalistes ont posé beaucoup de questions et des réponses étaient apportées à ces différentes questions-là, à la satisfaction de tout le monde. Donc, en bref, je vous dirais, le message essentiel de cette conférence de presse, c'est d'expliquer le bien fondé du Conseil national, pourquoi nous avons tenu ce Conseil national et la reprise de la lutte politique qui passe par l'action sur le terrain, la remobilisation des populations. Voici le message phare de cette rencontre avec la presse. Ok, merci à vous. Le message essentiel est la reprise de la mobilisation, de la lutte politique qui passe par l'action sur le terrain. Merci monsieur Jean-Éclou pour cette explication et donc cette précision. Nous sommes presque à la fin de cette émission, monsieur Jean-Éclou. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de fin, un grand merci à vous. Merci pour tout ce que vous faites pour informer nos paisibles citoyens, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Félicitations, courage pour ce travail-là. Je dirais tout simplement de lancer un appel à tous ceux qui sont déçus de l'action politique, tous ceux qui sont à
abusé moralement par des faussetés, des choses qui s'étaient dites par-ci et par-là, des promesses en l'air qui n'ont pas été tenues, des gens qui croyaient, qui avaient force dans l'avenir, qui croyaient à l'alternance, et que malheureusement, au lendemain de ce fameux 22 février, se sont réveillés toujours dans la même situation où le peuple, la grande population de l'opposition est totalement déçue, abusée à tort. Je vous dis simplement, comme l'a dit le père de l'indépendance de notre cher et beau pays, le Togo, j'ai cité Sylvanus Olympio, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour vient. Armons-nous à nouveau de courage. Disons-nous, comme l'a dit Alfred de Musset, bat-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Battons-nous le cœur, chers concitoyens togolais. La politique, nous la ferons pour que l'alternance advienne dans notre pays. J'y crois. J'invite tous les jeunes à avoir foi, à avoir de l'espérance en se disant, rien n'est perdu, remettons-nous au travail, un lendemain meilleur est possible. Je vous remercie. Radio Milawe, Togovio des radios. Merci à vous, monsieur Jean-Claude. Je rappelle que vous êtes aussi un bon journaliste. Rien n'est perdu. Remettons-nous au travail. Un lendemain meilleur est possible. C'est sûr, cette phrase riche en philosophie et donc riche en politique et de la sagesse politique aussi de monsieur Jean-Claude que nous refermons cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre présence. Excellente suite de nos programmes sur la meilleure des radios, Radio Milawe. Quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain à la même heure sur la même radio. Inch'Allah.